dans 15 minutes. Hein. Je rappelle à tout le monde qu'aujourd'hui c'est direct, que c'est sans filet. Hein, dans 10 minutes, c'est le silence. Vous mettez la dernière main à vos chroniques. On n'a pas beaucoup de dialogue puisqu'on a fait l'interview. C'est parfait. Vous l'avez mis dans l'ordre du sommaire quand vous allez le dire, oui. Ou alors à l'envers? Dans l'ordre. Là, en gros, c'est le début, là, c'est la fin, donc en gros, on va commencer par la fin. Okay. Dans cette émission, j'étais rédactrice en chef. Le rôle, c'est pas que durant l'émission, c'est pendant toute la préparation. Trouver les sujets pour les chroniques, les débats, les interviews, aider à les faire, réaliser le fil conducteur de l'émission, et ensuite, tout superviser dans le studio durant l'émission. Généralement, le rédacteur en chef, il est seul, mais il travaille avec tous les membres de l'atelier. Arnold, je baisse un petit peu parce qu'il parle fort. Et puis ouais. Elias, comme il rigole beaucoup, du coup, je baisse aussi un petit peu. Ouais. Vous vous installez. Vous réglez vos casques. Faites attention. Allô? Attends, déjà, ça marche pas. Le fil rouge, c'est un peu l'animateur de la radio. Dans ce rôle-là, tu n'es pas obligé d'avoir préparé quelque chose à l'avance. Tu peux, mais on ne t'oblige pas. Contrairement par exemple au chroniqueur, quand tu es fil rouge, tu as l'impact du moment. Alors attention, je lance la diffusion, c'est le silence total. Studio 104. Et bienvenue au Studio 104 sur la radio du collège Émile Zola, à Aigny, rue de l'Ovniche. Comment tu vas, Elias? Eh bien écoute, moi ça va très bien. Et dis-moi Arnaud, est-ce qu'aujourd'hui le sommaire, est-ce qu'il est bon? Dans ce sommaire, nous aurons une interview de Emma qui va nous poser des énigmes en mathématiques. Je réfléchis pas vraiment que je suis en direct, je me dis allez c'est parti, j'y vais. Et puis si ça passe, c'est bien, si ça passe pas, j'essaierai d'améliorer. On galère à trouver nos mots, à trouver nos expressions, savoir ce qu'il faut faire, dire. C'est compliqué, mais au fil du temps, tu t'améliores, tu réagis mieux face aux actions qui se passent. Nous aurons une chronique de Théo et Yanis, spécial Noël. Ah mais Noël, cette saison que tous les enfants attendent. Et en plus, les cadeaux, on va pas se cacher, ça fait plaisir à tout le monde. Il faut pas avoir peur de soi-même. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais il faut avoir confiance en soi, se dire que c'est pas parce que... on a quelques problèmes qu'on va pas réussir. C'est notre voix, quoi. Enfin, les gens ne nous voient pas directement. Et même moi, après avoir fait ça, je comprends pas pourquoi je n'avais pas confiance en moi avant. Et on accueille tout de suite Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Écoute, c'est la première fois que tu passes sur le Studio 104. Est-ce que tu es stressée? Un peu. Alors, on nous a dit que tu nous as préparé un petit quiz. En fait, c'est plutôt deux énigmes. D'accord. Tu peux commencer. Alors, la première, c'est « Je commence par E, je finis par E, je ne contiens qu'une lettre, mais je ne suis pas E. Qui suis-je ?» Moi, personnellement, je ne savais pas. Est-ce que tu pourrais peut-être... Non, moi, je suis perdu actuellement. Tu pourrais nous donner la réponse ? Plutôt la semaine prochaine. D'accord, pas de problème. C'est une énigme, hein, de toute façon. Oui. Eh bien, écoute, merci Emma d'avoir été là. Et nous allons finir cette émission. Et on vous dit à plus tard sur le Studio 104. Nous, on est parti de rien. On travaillait dans la salle polyvalente ou dans le CDI. Et maintenant, on a un studio, une salle de rédaction, une table de mixage, des ordinateurs, un paperboard. Quand on se dit que quand on fait une émission, peut-être dans le studio, on n'est que 5 ou 6, mais on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui nous écoutent. Et du coup, ça nous donne de la confiance en soi. Et voilà. À skip sur Studio 104. 100 plus 4, Studio 104. Studio 104.